Eh ben, je suis bien gagné d'avoir content. Et j'essaierai de faire foi à la prochaine mieux. De plus en plus fort, cette bande de gris, là. Vous êtes d'accord qu'elle a l'air plus claire ici et plus foncée, là? Eh ben non, justement. Elle est rigoureusement égale sur toute la longueur. Je la remets sur le fond perturbant, hop, et c'est la même chose, elle est plus foncée ici. Il n'y a vraiment pas de trucage, regardez. Cette fois-ci, c'est ce côté-là. Et c'est grâce à tout cela que ma grand-mère a fait apparaître des personnages fantômes. Fixez bien la croix au centre de l'écran. Surtout, ne détournez pas le regard. A priori, ça ressemble pas à grand-chose. Je vais le recouvrir par mon carton blanc et hop, le personnage apparaît en positif. Et maintenant, le fantôme inconnu. Fixez bien la croix au centre. Au premier abord, ça ressemble pas à grand-chose, rien d'extraordinaire. Ne détournez pas le regard, l'émission va se terminer, l'écran va être tout blanc et pourtant, vous allez continuer à voir une émission. Ou plutôt son réalisateur fantôme. Bonsoir, monsieur Darvor. Solde, solde, solde. Et toujours notre opération spéciale jeune, des jeunes à des prix sacrifiés. Affreux, 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 affreux. Je demande si je communique bien avec les jeunes. Bah, évidemment que tu communiques bien. Tu fais un carton. Tu dis un truc, il y a 200 000 jeunes dans les rues. La semaine des guignols, ce sont les meilleurs moments des guignols de l'info. Une fois par semaine, pour découvrir l'actualité autrement. Soyez burnés. Jacques, arrête. C'est terminé. Oh putain, déjà. My old Chuck in Canada, in the middle of the wood, there are so many squirrels. Mais ça crève les yeux. Les hommes et les femmes sont pas faits pour vivre ensemble. On essaye, on a l'illusion. Nous, on est juste bons à se rentrer dans le chou. Marie, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas sérieux? Un trio de choc, l'ermite, Boringer, Noiret. De quoi on a l'air tous les trois, hein? Ben, on a l'air de rien. On dit qu'il a une sacrée réputation, je dirais. Mais arrêtez quoi, ça va pas? Excellent, vraiment excellent. Black et classe, Eddie Murphy comes back. J'étais encore tout jeune, voilà bien longtemps, quand mon père me dit, Norman, tu aimes écrire, n'est-ce pas? Tu pourrais raconter l'histoire de notre famille. Alors seulement tu comprendras ce qui s'est passé et pourquoi. Une ode à l'écologie, signée Robert Redford. Tango, boomerang, et au milieu coule une rivière. En mai, regarde ce qu'il te plaît.